You okay, sister? Well, I'm alive, senor. Although, come to think of it, I just committed a mortal sin. Claim self-defense. Always works for me. Yes, well, I fear my judges may be a little more stringent than yours. But I appreciate the advice. Unfortunately, many of my nuns are not so resourceful as you or I. Their innocence will kill them, which is truly a terrifying reality. I would not know. I think maybe you would. But let us leave the psychotherapy and focus on more pressing matters. They are locked in the church, while hordes of these half-witted demons are trying to get to them. It'd be my pleasure. You're a true Samaritan, sir. You know, they say the devil has all the best tunes. It may be so, but it seems he also has the most half-witted friends. So you know Bill Williamson, then? Excuse me? Just a little joke. I'll do as best as I can to save the nuns. Salut les amis, bienvenue à la partie 5, on va continuer l'histoire de John Marston, l'histoire sombre, justement, hein, comme d'hab, de Red Dead Redemption 2, enfin de Red Dead Redemption, Evil Dead Nightmare, et du coup, bah là on a pu sauver la sœur, et du coup là je pense qu'on va devoir sauver le petit village, là, juste à côté, l'église, voilà cette ville à attaquer, alors je ne sais pas si on peut entrer, ok, yes. Je pensais qu'il fallait monter je sais pas où. Allez, on y va. Alors bien sûr, John Marston, maintenant il est au Mexique. Je pense que vous en doutez. Je pense que vous avez vu la partie 4, toute dernière partie. Ça y est, il est de retour. On va revoir ses amis les rebelles. Hop. Allez. Alors, je pense que vous avez vu aussi. Bah, je pense que vous avez vu au titre, nous sommes au cœur de l'apocalyptique. Voilà. C'est là que se trouve le vrai cauchemar. Mais je vous en dis pas plus. Oula. Désolé sœur. J'étais obligé. Ah ouais. Là, ils sont partout. Oh, ah ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 points là. Ah ouais. C'est vraiment un vrai massacre là. Ça n'a rien à voir avec justement l'Amérique. Là, bien sûr les amis, n'hésitez pas à me suivre, ça fait toujours plaisir. Là je suis concentré là, ils sont tellement partout là les trucs. Allez, hop. Sur le plancher. Hop, hop, hop. Allez, on est presque, les amis. Nous sommes à la moitié, je crois. Ouais, c'est ça. Oh le massacre. Comment ils sont venus jusqu'ici, sérieux? Si nombreux. Bon déjà ça diminue.
Arrête de bouger. On va prendre quoi? Prendre ça. On va changer un peu les armes. Histoire de pas toujours prendre le même. Par contre, ils sont où là? Je les vois même plus les trucs. Oh, chasseur de l'apocalyptique numéro 2. Ils sont où les autres? Pas évident. C'est un labyrinthe dedans. Là, 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 parfait. Arrête de bouger. Voilà. Oula, il y en a encore plein là. Wow. Mangez ça. Hop. Eh ben, je pensais pas qu'elle allait avoir autant. Oh la vache. C'est vraiment un bain de sang. Eh ben, ils auront du travail pour nettoyer tout ça. Les sœurs. Allez, prends ça dans ta tronche. Voilà, cette ville est sauvée, magnifique. Bah là, je peux prendre des caisses à munitions, hein, parce que vu que il y en avait autant, j'ai bousillé pratiquement tous mes balles. Presque. That'll do. Voilà. On va faire le tour. Haha. Allez. On va revoir la sœur. Ah, les sœurs. Voilà, c'est son nombreux là. Bless you. But it's not sister. It's Mother Superior. Mother Superior. Ah, la mère supérieure. Our bishop was Calderon. For regulations. Until he got sick last week and ate half of the cathedral choir boys. I'm sorry. I only mention it because my girls are laughing at you calling me sister. What do you think is causing all this? Eh ben justement, j'attends de voir les amis. Elle s'appelle la sœur Calderon, ça vous dit rien? Clairement, il se pourrait que ça serait la même sœur qu'on a rencontrée avec Arthur Morgan dans Red Dead Redemption 2. Il se pourrait que ça soit elle, mais beaucoup plus vieille. Parce que dans le 2, elle s'appelait la sœur supérieure Calderon, justement. Dans, qu'on a rencontré avec Arthur Morgan à Saint-Denis. Et en fait, il se pourrait que ce soit elle. On rencontre une deuxième, enfin une deuxième dans le premier opus, quoi, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, quoi. Parce que vu que ça se passe en 12 ans plus tard. Reste à voir si c'est vraiment elle, mais je pense que c'est bien elle en fait. Voilà, ça a ramené un mort-vivant ordinaire à la mère supérieure. Ordinaire, n'importe lequel en fait.
L'autre fois, justement, je me suis renseigné sur elle. Et apparemment, on dit que c'est bien elle dans Red Dead Redemption 1, quoi. C'est fou quand même, c'est fou. Après, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si j'ai raison ou pas. Stop right there, you fiend. You're like a bitch on heat. Allez! Bon, apparemment, il faut ramener un mort-vivant ordinaire. Donc, je vais prendre. Cette femme là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive pas à le prendre? Oula, il y a une créature mythique! Il y a une créature mythique, les amis! Oula, elle arrive. Ça doit être ça. C'est quoi ça? C'est la peste? C'est quoi? C'est la mouche? C'est quoi? Oui, mon cheval, vite! Bon, bah, en fait, j'ai laissé le mort-vivant, moi. Alors, je vous rappelle qu'il y en a 4 des chevaux mythiques. 4-5, il me semble. Allez, viens ici, toi! Ok, comment je me casse la gueule? Ah, l'enfoiré! S'en va! Viens ici! Je t'ai pas dit de t'enfuir! Ah là là! Ah, quand même! J'ai du mal avec le lasso dans le premier. What? C'est quoi ça? Oh non, dis pas que c'est encore un bug! Oh, ça serait con. Ça fait comme dans la première partie où j'arrivais pas à prendre bah, l'un des premiers quoi qu'on a rencontré. J'ai l'impression que il y a encore des bugs. C'est pour ça que j'arrivais pas à prendre le mort-vivant là tout à l'heure. Ah oui. Dommage, dommage les amis, dommage. Bon, comme je vous ai dit, hein, c'est Blended Bug dans cette extension. Viens ici toi. Viens. Je vais te ramener à la mer supérieure. Parfait. Il fait encore se casser le truc. Hop. Me tuez pas, je suis pas comme eux. Mais non, mais pas comme ça, John. Je vous jure. Allez. Et voilà. Mother Superior, I think I have a test case for you. Señor Marston. Cobaye. That I ain't. Now let's see. Oula, le bateau, c'était un truc. It certainly isn't the flu. Their eyes are so devoid of love, of anything. Oh, lively one I see. Here. What is that? Holy water. De l'eau bénite. We may have something. It seems to be working. Maybe. Ah, on a peut-être trouvé la solution, les amis. Maybe not. But it seems as if he were nearly safe. Pour qu'ils sont plus en mort-vivant. Spiritual infections are confusing things, Señor Marston. None of us can hope to understand them properly. But he came back for a minute. I bless the water, but perhaps my faith is not that strong. I have to do more thinking, but I need time. Every day more of my people fall as the dead rise in sepulchre. En plus, les amis, j'ai en train de penser.
John Marston n'a jamais vu la sœur Caldeon. Il l'a jamais vu. Il n'y a que Arthur Morgan qui a vu cette sœur dans le 2. C'est ça qui est ouf. Nettoyer le cimetière de Sepulcro. Ok. Allez. L'eau bénite. Ah ouais, ça y est, on a gagné une arme. L'eau bénite est une arme utilisée comme projectile qui produit des flammes bleues. Purifie Catrice lorsqu'elle touche un mort-vivant. Voyons voir. On va essayer. Enfin. On va essayer. Hein, s'il arrête de bouger déjà. Voyons voir. On va mourir. Laissez-moi tranquille, vous. Voyez, il est bien mort, les amis. Ça, c'est cool. C'est plus efficace que les flammes. C'est génial. Allez, on va nettoyer le cimetière. Quelque chose me dit qu'on va revoir quelqu'un dans ce cimetière. Ah 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 ah. Brûler le cercueil. Il est où? Il est là. On va peut-être revoir Javier, Bill, dans ce cimetière. Quelqu'un d'autre. Alors peut-être que il y aura peut-être pas grand chose hein les amis hein. Mais quelque chose me dit qu'on va peut-être revoir quelqu'un. Wow wow wow, du calme. Allez hop. John. Wow, je suis chaud là. Je voulais les cramer là. L'eau bénite. What? Ils sont partout. C'est quoi ce cimetière là? On va vider le cimetière les amis. Allez, si on peut. Ah bah voilà les amis, Capitaine 27. Et oui les amis, on le retrouve. C'est le mec qu'on a tué là, qui était dans l'armée. Avec le colonel là. Il revit. Il revient d'entre les morts. En tout cas, il y a toujours les mêmes coups que John Marston lui a donné. Dans sa figure. Toi et moi. Je te préviens l'ami. Tu vas t'en souvenir. T'as eu chaud. Il a eu chaud le mec, il a eu chaud. Voilà, il n'y en a plus là.
Et voilà, c'était le dernier. Et voilà. J'ai l'impression que ça va être encore plus chaud que au truc là, que à New Austin et à West Elizabeth. La mère supérieure a besoin d'un peu de temps et essaye de parler aux autres survivants en attendant qu'elle soit disponible. Ok. J'ai en train de penser, les amis, on va peut-être revoir Rickett, si je me trompe pas. Vous savez, l'as de la gâchette, s'il y a encore envie. Enfin, je l'espère. Dernier as de la gâchette. Avec John Marston. Ah oui, hein, sans oublier John Marston. Alors, on va aller faire ça. De toute façon, il faut attendre que la mère supérieure, elle fait son truc. Allez, on va sauver ce village. Allez, deux d'un coup. Hop. On fait le ménage là. Bon là ça va, ils sont pas nombreux. Que 3 points. Allez, on les enchaîne. C'est juste un petit village, hein. C'est pas grand chose. Et là, ils vont tous venir sur moi. Balle là de force là, une balle de fusil à prendre dans la gueule là, le cheval. Oh, c'est quoi de ça, un chien zombie man maintenant dans leur camp. C'est quoi de ça? Ah ouais, ils font de la partie maintenant. Mais il meurt pas ce chien. Quoi de ça? What? C'est quoi de ça? Il meurt pas le truc. Ah, quand même, un joke. Il a explosé la cervelle, quoi. Ah, on a gagné des dynamites, les amis. Bon, c'est pas une nouvelle arme. Bon, c'est déjà ça. Justement, j'en avais plus des dynamites. Nickel. Alors du coup, eh ben on va aller faire la petite mission inconnue. Biographie et fabulation. Et se peut que c'est Rickett, les amis. C'est fort possible.
vu l'endroit en tout cas, qu'on va aller, c'est vraiment fort possible. Ok. Ah ouais, ok. Je savais pas que les morts vivants ils étaient comme ça. What the fuck? Do you think I like shooting women, you filthy whore-mongering wretch? Eh oui, les amis, la légende. Yeah, yeah, get out of here. Go on. Go on, get. Andale, gracias. Hello, Mr. Ricketts. Hello, John. I see you're enjoying another vacation in our little resort. Coin de paradis. Something like that. Well, we got sunshine, sand, and a plague that makes people eat each other. Come to think of it, it must feel just like America to you. What is going on? I thought things were calmer in Mexico. This is calm. What's a little light cannibalism? Non, c'est pire en fait. Excuse me. C'est pire qu'avant. So, how have you been? Good. Well, apart from my wife and son being tied up and trying to rip my soul clean out of my body, and the entire earth turning into hell. Good. Real good. You know, John, I've lived a long life. I've seen this land when it was just wilderness and scrub. I've seen missionaries nailed to crosses. C'est exact, parce qu'avant il y avait rien au Mexique. J'ai dit il y avait rien, tout ça, c'était étendu de bah sauvage quoi, tout ça. Et c'est vrai qu'il y avait rien avant. Parce qu'on sait que dans le 2 il y avait rien du tout. Après, c'était pas fait par Rockstar, hein, forcément, mais si on écoute bien les paroles de Rickett, ouais, apparemment, il y avait rien du tout. 12 ans avant. Hunting of men as a sport. I've seen men struggle with principles and morals and the very meaning of existence. I've killed all that can be killed. Allez hop, salut. I've never in all my natural born days seen anything quite like this. Nor me, sir. Ah bah ça c'est sûr. Now, if we could only get something that would attract these blighters, we could kill them faster and maybe return this land to its natural state. Some kind of bait? Exactly. I think I might know how. And more dynamite. I'm running pretty low. Let me see what I can do. Thank you, John. Ah oui, on va devoir trouver des trucs pour lui. Retournez voir Ike dans quelques heures avec l'appât à mort-vivant et la dynamite. Ok, il n'a pas de mort-vivant. Donc, alors attendez, on va voir tout ça, tout doucement. Alors, j'ai ça. Je ne sais pas si... alors, attendez. Voyons, voyons. Pas assez de camomille sauvage pour créer de la pâte à mort-vivant. Ok. Donc, il faut des camomilles... sauvage. Alors attendez les amis, voyons, voyons. Kit de pour troublon, ça c'est pas ça. Alors je regarde bien parce que bah forcément c'est un truc qui est pas évident à faire. Passer de bon, ça on s'en fout. Voyons, voyons, l'épidémie, nanana, nanana. Non, c'est pas ça. Lui proquer de la dynamite, de la pâte à mort-vivant. Vous obtiendrez de la dynamite en sauvant des villes et en tuant des morts-vivants. Et vous devrez fabriquer de la pâte à mort-vivant vous-même. Ok, donc avec, avec des camomilles sauvages, si je me trompe pas. Mince,
Voyons voir. Un mort-vivant, une cite, une camomille sauvage. Ces fleurs se trouvant à Cola Spring et Great Plain. Ok. Ok. Alors, du coup, on va devoir retourner là-bas, en Amérique. Alors, si je ne me trompe pas, là, ici. C'est ça, les amis. Allez. Alors, je vous avoue que c'est pas évident. Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais du mal aussi, ça. Après, en même temps, j'étais jeune. Et c'est vrai que j'avais du mal. Et bah parfait les amis, nous sommes de retour. Voilà, avec les ingrédients que Rickett nous a demandé, avec les appâts à mort-vivant, comme vous pouvez le voir juste ici. Voilà, j'en ai 5. Et on a aussi les dynamites. Voilà, parce que Rickett voulait aussi de la dynamite, parce que bah il était à court de tout ça. Et du coup, bah voilà. Bien sûr, il y a eu là les coupures. Il y a eu des coupures les amis. Et parce que bah forcément pour prendre tous les ingrédients, tout ça, pour fabriquer les appâts à mort-vivant, il fallait les fleurs, tout ça. Et du coup j'ai dû couper tout ça parce que bah sinon ça serait trop long pour cette partie. Et du coup bah voilà, on nous sommes directement avec les ingrédients. Et du coup bah c'est parti, on va aller voir Rickett. Let's go! Maintenant qu'on a tous les trucs. Mr. Ricketts. On va améliorer tout ça Hello, sir. avec l'appât à How have you mort-vivant. been? As you imagine. Good. Did you get the dynamite? Yes. And the bait. Parfait, ça. Let's see. Alors tout simplement, Rickett va mettre la dynamite dedans. Et quand on va jeter la bouteille. Et bah tout simplement les morvions vont aller directement sur le bah sur la cible en fait, voilà, tout simplement sur la bouteille. Et nous on va devoir faire exploser en fait notre revolver. Voilà. Tout simplement. Voilà, vous avez la cinématique. L'image. Let's work with that for a second. Pour mieux comprendre les choses. Now, this, calls for a soft touch. Voilà, on a amélioré tout Not ça. The brutish hands of a man of war, but the... Delicate touch of an artist. Some use oils, and some a chisel and a block of marble. For me, sir, it was always either high explosives or the trigger of a fine iron. But it's much the same. Sometimes your humility overwhelms me, Ricketts. You and me both, Mr. Marston. Now, if you'd have seen me when I was a young man, if you'd have seen me, s'entendent bien so ces deux-là. Fast, you couldn't see me. Well, then you'd know this is humility. On voit qu'il y a une amitié. Truth is, well, truth is long dead. Now we got only memories, memories and a great swath of demonic mutants, of course. Have you heard anything? I heard a man in Chicago was writing a biography of me. And can you believe it? An artist in Pittsburgh painted my portrait. I mean, the demonic hordes, not your own unending glory. Oh, that? Nothing too interesting. Someone said that there's some really big problems near Escalera. But I can't concern myself too much with that. This is my home now. This and this up here. Take care of yourself. I will. I don't think getting savaged by some brainless corpse would bon, do too bah, much bonnes justice. Vacances, hein, Get. Je vous laisse tranquille. Yeah, I think you're teasing me, Mr. Marston. But I thank you, and I appreciate your concern nonetheless. Et là, cette fois, c'est. Je pense que c'est la dernière fois qu'on le voit. C'est fini. L'as de la gâchette. Biographie et fabulation, mission accomplie. Appât explosif, voilà. C'est devenu, voilà, tout simplement, appât explosif. Parfait, l'appât explosif a le même effet que l'appât normal, sauf qu'il explose au bout de quelques secondes. Ou alors, tirer sur le truc. Voilà.
comme il a fait Rickett, et ça explose. Parfait. Et du coup, je pense qu'on a eu... Ah non, même pas. On a encore, justement, ça y est, on a la mission avec la sœur. Mais ça, je pense qu'on le fera plus tard, les amis, dans la prochaine partie. D'abord, on va s'occuper des trois villages juste à côté. Du coup, allez, c'est parti. On va nettoyer tout ça pour gagner des nouvelles armes. Viens ici, toi. Viens ici. Viens ici, voilà. Il fait esprit, ce cheval. Il fait esprit, mais franchement, il fait esprit. C'est un truc de fou, quoi. Alors, je ne sais pas si on pourra entrer directement. Ah, le procédé, il y a un sanctuaire, les portes sont fermées. Ah oui. Donc, c'est pas vraiment un village à sauver. C'est moi qui me trompe. Bah oui, forcément, c'est un fort. Donc y a rien, en fait, les amis, y a rien. Y a pas grand-chose, à part juste, vous savez, les trucs où on doit sauver les survivants. Comme à Rio Bravo. Vous savez, juste, voilà. Là, on le voit pas, hein, parce qu'on est loin. Donc, on va aller là. Allez. C'est reparti. C'était un voyage un peu, voilà, un peu stupide, mais bon, c'est pas grave, au moins, du moment que vous voyez que, voilà, le fort est sauvé, voilà, ça fait du travail en moins. Allez, comme d'hab. Ouf. Oula, mais il y a que des trucs qui crachent là. Vous avez remarqué là? What the fuck? Alors on va essayer le truc, les amis. Lapin mort vivant. Et normalement, hop, voilà, ils viennent tous vers le truc. Et là, boum! Là, grand nettoyage. Ou presque. Ah non, il y a encore des bugs. Mais non, mais c'est pas juste ça. J'ai utilisé un appareil mort-vivant pour rien, là. Ah, vous pouvez rien faire, là. L'armée là. Allez. Dynamique, les amis. Parfait. Hop. Ok. Oula. Nous sommes chez le boucher, là. Comme si il n'y avait pas assez de viande en ce moment. Avec les morts-vivants, tout. C'est pour ça que ça les attire. Hein, j'ai compris. C'est pour ça que ça les attire. Ah, ok, avec les cochons, là, les cadavres, tout, avec la viande. Ah, j'ai compris. Ah, ah. C'est pour ça qu'ils viennent dans les villes, dans les villages. Et en même temps, c'est comme dans les films, hein, les zombies bouffent les gens, tout, les gens normales. Forcément, quoi.
Hop, et bah du coup, on va aller ici. Et là, si je me trompe pas, c'est un nœud fort, les amis. Et par contre, là, je pense que je vais être attaqué par les morts-vivants. Je vais être envahi. Just what I needed. Hop, voilà, le coffre. Allez. Ça va, c'est juste à côté. Pas de panique. Salut, je me casse. Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, les j'ai pas le temps. Je vais sauver le fort qui se trouve en haut. Vous savez, c'est le fameux fort qu'on a dû attaquer dans le premier avec l'armée contre les rebelles. Ah là là, quelle époque. Que des bons souvenirs, les amis. Que des bons souvenirs. Et si je me trompe pas, c'est par là qu'il faut aller. Attention. Là, ça va pas être la même chose. Vu qu'en plus c'est un fort qui est pas vraiment protégé, forcément il y a des morts vivants quoi. Je sais même pas s'il y a encore des survivants. Ouh, le petit coup là. Je vais calmer là. Là, par contre, ouais, fais attention parce que s'il faut tomber du fort là, voilà, je suis mort directement. C'est sûr. Là, on m'appelle Superman. Arrêtez de bouger! C'est moi ou je sais pas viser? Attention, ça va faire plus, les amis. Voilà. Vous avez déjà vu des morts vivants qui volent? Voilà, la preuve. Ils ont volé. Amigos. Oula, lui il va tomber. Ouah, il est tombé là du fort. Ah ouais. Ouah, c'est quoi de ça? Ouah, on me tire dessus. Ouah, je suis avec vous là. J'ai l'impression que l'armée ils veulent prendre leur revanche contre John Marston. Il va me laisser tranquille la papy là. Ah mais il me tire dessus. C'est quoi de ça? Tiens, mange toi. Le mec il me tire dessus, mais c'est un fou lui. Ah, c'est peut-être parce que j'ai tiré sur la dynamite.
peut-être pour ça. Quoi? Tire dessus, c'est fou. Bah voilà, vous pouvez dire quand même merci. Ah, j'ai gagné le fusil à pompe, les amis. Par contre, eux... Et ils m'énervent, là, l'armée, là. Même pas, c'est un rebelle. Non, mais il est fou, ce rebelle, là. La rébellion, là. MDR. Oh la vache. Tintin. Allez John. Courage l'ami. Courage, courage. Oui, il faut monter là. En plus là, le fusil à pompe qu'on a gagné, il est vraiment puissant. Je crois que c'est le plus puissant du jeu. Non mais... Mais... Crevez, oh merde. Vous allez me laisser tranquille. En fait là, j'ai en train de nettoyer toute la ville. Enfin, tout le fort. Il n'en restera qu'un. Et c'est moi. Et c'est moi. Oh, punaise. Bon, bah voilà, les amis, parfait. Et. Ok, je vois qu'on a. Ça. Mais en fait, on a pratiquement tout nettoyé le Mexique, hein. Parce que bon, après, forcément, il n'y a pas beaucoup de. Peut-être que vous allez peut-être me dire, ouais, c'est presque pareil, y a v'là des villes, tout ça au Mexique, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup moins des villes, des villages, tout ça dans le Mexique. Tandis que dans West Elizabeth et à New Austin, il y en a beaucoup des villages, tout ça. Mais là, t'as l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais en fait, si, parce que là, on a fait pratiquement la moitié, même plus que ça, j'aimerais dire. Parce que là, il reste quoi? La ville à Chupa Rosa, nettoyée. Il nous reste, vous savez, Punta Orgullo et le petit village de Nozalida. C'est tout. Il reste que ça, normalement. Et peut-être... voir le village de Tesoro Azul, mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce que, après, vous me direz, ouais, s'il reste un petit village de rebelles. Donc, ouais, c'est ça, il reste au moins 1, 2, 3, 4, 5 villages. Et là, on en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas mal, 6. C'est pas mal. Du coup, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Du coup, j'espère que vous avez kiffé cette partie. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, tout ça. Ça fait plaisir. Et je vous retrouve dans la partie 6. Je vous dis à plus tard les amis. Ciao ciao.